Aujourd'hui, services de l'État, agriculteurs, collectivités territoriales, tous les acteurs de terrain ont fait le point sur la situation en Haute-Corse. Le département est en alerte sécheresse depuis le début de l'été. Des restrictions d'utilisation avaient été prises en juillet. Elles permettent de stabiliser la situation, mais pas encore de l'améliorer. Grégoire Alcalé avec Enzo Giuliano. La situation reste délicate en Haute-Corse et plus particulièrement en plaine orientale, dans le Nébiou et le Cap-Corse. Les précipitations du mois de juillet ont été faméliques, alors que le déficit de pluie se faisait déjà sentir avant l'été. Les niveaux des nappes phréatiques sont bas, voire très bas. Selon Météo France, des orages sont prévus autour du 15 août, sans que l'on puisse dire s'ils seront efficaces ou non pour recharger les réserves. Le préfet demande donc de maintenir les efforts pour économiser l'eau. Les mesures qui ont été mises en place, elles ont été mises suffisamment tôt en place pour nous permettre d'arriver normalement dans une situation à la prochaine période de recharge sans mesures de restriction complémentaires. Mais encore une fois, si nous devions avoir des indicateurs qui dérapent à nouveau, eh bien je n'hésiterai pas, malgré les conséquences évidemment que ça peut avoir, à protéger l'ensemble de la population en mettant en place des restrictions d'eau complémentaires. Pas de nouvelles restrictions donc, mais les contrôles menés par l'Office français de la biodiversité, plus de 1000 déjà cet été, vont se poursuivre. Ils visent à vérifier le respect de l'interdiction de laver sa voiture ou son bateau, sauf exception, l'interdiction de remplir sa piscine pour les particuliers. Il y a également 2 jours par semaine sans irrigation possible pour les agriculteurs, des agriculteurs qui souffrent, mais qui sont prêts à continuer de faire leur part. Ces restrictions, concrètement, nous ont permis de passer d'un manque d'eau qu'on aurait eu début août. Là, aujourd'hui, on a repoussé à début septembre. Voilà, ça ne suffit pas pour faire passer l'agrumiculture et les mises bas pour les filières d'élevage, notamment ovines, qui sont impactées par ailleurs par la fièvre catarrhale. Mais on a ces informations-là. Le prochain comité de ressources en eau se tiendra à la fin du mois d'août. Pendant ce temps-là, les habitants de Haute-Corse s'adaptent. Depuis le début de l'été, 12 communes ont elles-mêmes pris des mesures de coupure d'eau à certaines heures de la journée pour éviter les pénuries.